Dans la vie, je suis chef de chantier dans le forage d'eau potable. Si ma fille me demande ce que je fais, je lui réponds que je fais des trous pour trouver de l'eau. C'est de faire des forages d'eau potable, faire des réhabilitations, des nettoyages, tout ce qui touche dans les métiers de l'eau. Les différentes étapes d'un forage sont de forer la première nappe pour ensuite les masquer à l'aide d'un tubage puis d'une cimentation. Puis on refore jusqu'à la seconde nappe, puis on retube, puis on recimente. Puis la troisième étape, c'est de forer le réservoir d'eau, puis de le crépiner. Dans mon métier, on change souvent de lieu. On découvre beaucoup de régions, on voyage. Ce que j'aime pas dans mon métier, c'est la pluie et le froid. Une journée dans ma peau, c'est le matin, on se lève, on arrive au chantier, on fait les niveaux, on démarre les moteurs, on fait le pause de café et après on commence à travailler. Ma formation, j'ai un CAP de production végétale, c'est-à-dire ouvrier agricole. Mais dans le forage d'eau, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir une grande formation. Il faut être un peu vaillant. Un conseil que je donnerais à un jeune pour faire ce métier, c'est aimer travailler dehors et aimer partir en déplacement. Dans 10 ans, je me vois chef de chantier ou alors peut-être une place un peu plus haute, responsable des forages ou carrément peut-être un jour, peut-être monter ma boîte. On va y arriver.